Et les amis, c'est Animal Nation de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce dont je vous avais promis plus au préalable, c'est-à-dire voilà, comment j'ai et pourquoi j'ai rejoint la team Olympe et comment ça s'est un peu terminé avec Eric Favre, le pourquoi du comment. Mais avant ça, ce week-end, c'est mon anniversaire, peut-être que vous le savez déjà, dimanche, j'aurai 32 ans. Et pour fêter ça, Olympe, justement, vous offre un gros discount. Donc, je vous en dis pas plus, mais juste mon code habituel, c'est Animal. Utilisez ce week-end, samedi et dimanche, sur le site et vous aurez un discount bien sympa. Voilà, donc à ne pas oublier. Et faites-vous plaisir, profitez, faites le plein et surtout économisez pour cette nouvelle année qui commence. Voilà. Donc, pourquoi j'ai rejoint et comment j'ai rejoint Olympe. Donc, bon, pour se remettre un peu dans les faits, j'étais forcément donc avec Eric Favre, comme vous le savez tous. Et d'ailleurs, le fait que je sois avec Olympe, ça change rien au fait que bah, Eric Favre est une très très bonne compagnie. Comme je l'avais expliqué auparavant, les compagnies européennes ont des critères de comment on dit, qualité qui sont beaucoup plus strictes. La FDA aux États-Unis autorise vachement plus de une marge d'erreur plus importante sur les produits. Donc, par exemple, quand un produit annonce 80 grammes de protéines, il peut y avoir, je crois, sauf erreur, 20% d'erreur et c'est toujours accepté comme étant tolérable. En Europe, c'est genre 10% au moins. Enfin, c'est vraiment des marges beaucoup plus strictes. Donc, c'est juste pour vous donner un peu une idée en général de ce qui est qualité des suppléments. Ça ne veut pas dire que les compagnies américaines, certaines ne font pas un effort supplémentaire, mais ça veut dire que vous pouvez accéder au marché en étant beaucoup moins précis et moins on est une qualité nettement inférieure, on va dire. Voilà, pour garder les choses simples. Donc c'est pour ça que moi j'étais toujours, enfin toujours, j'étais intéressé de travailler avec des compagnies européennes et que j'avais travaillé avec Eric Favre, en plus parce que c'est une compagnie française, forcément, donc ça avait du sens, surtout quand j'ai rencontré Eric et on s'entendait bien. Et en plus, on avait bon, voilà, une bonne team avec Théo, etc. On s'entendait très bien. Donc voilà, Morgane, enfin, vous avez vu un peu les vidéos qu'on a fait ensemble, on s'éclatait plutôt pas mal. Donc voilà, c'était une belle histoire, c'était une belle aventure. Malheureusement, bah, pour ceux qui se rappellent, enfin, je pense que vous vous rappelez tous. En avril, on avait le Export Festival à Nice et des éléments qui sont vraiment hors du commun, on va dire même, hors de notre contrôle, en tout cas hors de mon contrôle, qui ont fait que bah, Eric était plus disponible pour gérer la compagnie, donc il était en prison et il est sorti récemment. D'ailleurs, heureusement, parce qu'il est resté pendant plusieurs mois pour. Enfin bref. On en saura plus bientôt, il faudra voir ce que le système judiciaire décide et ce qui s'en passe. Mais ce dont il était accusé, bon, ça m'étonne toujours énormément. Bon, vous aurez votre opinion, peu importe. Ce n'est pas la question de la vidéo. Mais bref, voilà, donc il avait été arrêté. Moi, j'avais un contrat avec Eric Favre qui avait été signé donc en avril 2018. Avril 2018, sauf erreur. Mars 2018. Voilà, jusqu'à donc, bref, avril par là. Je commençais à avril 2018 et donc là on était en avril 2019 et j'avais donc renégocié mon contrat avec Eric. On avait tout, on s'était mis d'accord et mais on n'avait pas eu le temps de signer parce qu'après c'était à Paris qu'on s'était vu. Ensuite il y avait le FIBO très rapidement après et ensuite justement le festival qui avait lieu une semaine après. Et on n'avait pas eu le temps de mettre ça dans les papiers, donc une fois qu'il avait été arrêté, bah forcément ça avait mis un peu des complications parce qu'il n'y avait pas de contrat écrit. Et puis même, de toute façon, vous avez pu le voir, toutes les athlètes ont été coupées. C'était une décision qui n'a pas été facile. Enfin, en tout cas, je sais qu'ils ne voulaient pas. Enfin, en tout cas, moi, le contact que j'avais, c'était. On essayait de continuer à faire fonctionner les choses ensemble. Donc moi, en tout cas, je voulais rester. Il n'y avait pas de raison pour moi de partir. Je m'entendais bien, comme j'ai dit, avec la team. J'étais confiant envers la marque et puis tout se passait plutôt bien. Mais malheureusement, donc, ces choses-là sont passées et du coup, ils ont décidé, enfin, les gens qui étaient à la direction à ce moment-là, de se séparer des athlètes professionnels, prendre la distance par rapport à ça, par rapport à toutes les accusations, etc., pour avoir plus de.
de liberté ou de plus, pas plus de liberté comme on dit, pour être, enfin bref, pour enfin voilà, c'est une décision qu'ils ont faite de se séparer des athlètes professionnels. Et ensuite, pendant ce temps-là, moi au FIBO, il y avait le Olympe qui m'avait approché forcément parce qu'ils avaient sponsorisé Sean et ils étaient intéressés à nous avoir ensemble, qu'on s'entraîne ensemble, nous avoir ensemble avec la team. À ce moment-là, moi, je n'étais pas intéressé. Forcément, l'idée de travailler avec Sean, enfin, forcément, c'était une chose qui me tentait à fond et qui était top, mais j'avais aucune raison pour moi de partir. Mais forcément, quand voilà, les choses ont commencé à tourner, et du coup, j'avais plus de suppléments qui arrivaient. Donc, bon, j'avais mes stocks, heureusement. J'avais pas mal de choses de chez Eric Favre. Quand ça commençait à s'écouler, Sean me passait des suppléments de chez Olympe. Ça m'a permis d'essayer la marque pour la première fois. Forcément, je la connaissais. J'avais entendu parler du nom, mais je n'avais, sauf erreur, jamais essayé leurs produits. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le Pump Express, qui était vraiment un produit qui m'a convaincu très rapidement. Comme je vous l'avais expliqué, je crois, au préalable, en tout cas, j'en ai mentionné dans certaines vidéos. La congestion que j'avais avec ça en pleine diète pour l'Olympia, je me sentais comme si j'étais en hors saison à manger des glucides toute la journée, enfin des tonnes et des tonnes de glucides. J'avais vraiment une congestion de fou avec la peau vraiment qui tire. Donc, ça m'a convaincu directement. En plus, il y avait très peu de caféine dans le Pump Express, qui est quelque chose qui, enfin, pour moi, c'est important. J'aime pas, comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis contre la caféine en pré-workout. C'est seulement, genre, même pas, enfin, occasionnellement, vraiment, si vous êtes vraiment fatigué, mais que vous devez faire un entraînement, genre en prépa et autres. Mais j'essaie d'éviter au maximum parce que ça, bah, forcément, ça augmente le niveau de cortisol, hormone de stress qui va détruire du muscle. Et qui de toute façon pas bon pour le bodybuilding et puis pour d'autres choses, pour personne en général. Enfin, ça crée des chaînes de réactions qui sont intéressantes, enfin, qui sont utiles pour brûler la graisse, etc. Mais on essaie de maintenir les niveaux assez bas quand même pour différentes raisons. Donc, je vais pas rentrer en détail maintenant. Et aussi, la caféine, ça a un effet vasoconstricteur, donc qui réduit la circulation sanguine et ce qui est l'effet contraire de ce que l'on cherche. Forcément, pour l'entraînement, on veut avoir une grosse, grosse congestion. Donc, on veut un maximum de sang dans les muscles. Donc, pour ces deux raisons-là, je préfère éviter la caféine. Mais quand il y en a un petit peu, ça permet de réveiller, d'avoir un peu plus de focus. Mais quand ça commence à pousser trop, ça fatigue le système nerveux, le système, comment on dit, surrénal, sauf erreur, adrénal. Je suis pas sûr du mot en français, mais bref. Et puis voilà, ça monte les niveaux de cortisol. Donc c'est pour ça que j'essaye d'éviter. Et donc c'était un produit qui m'a vraiment convaincu très rapidement. Après, j'ai beaucoup apprécié aussi qu'ils aient des acides aminés essentiels. En fait, après, c'est vraiment ils ont une collection de produits qui a presque pas de limite. Je suis encore très loin d'avoir essayé tous les produits. Mais voilà, tout ce que j'avais essayé, j'aimais bien le goût, j'aimais bien. Enfin, je me sentais bien avec ça, je me sentais que je récupérais bien. Et du coup, ça m'a vraiment motivé. En plus de ça, Sean avait été justement après le FIBO, juste avant de venir à Nice pour le Sport Festival. Il avait été en Pologne où il avait visité les laboratoires, puis il m'a raconté tout plein de choses qui m'avaient vraiment séduite. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là, les uns après les autres, qui m'ont convaincu de rejoindre la team. En plus, j'avais un bon contact avec eux. Ils ont été vraiment très chaleureux. Ils ont pris bien, bien soin de moi dès le début. Enfin, ils montraient vraiment d'intérêt. Et comme quoi ils voulaient m'avoir dans la team et travailler avec eux. Puis en plus, bon, vous savez, il y a Edgar, Michael Louvel, enfin, plein d'amis à moi qui sont déjà avec eux. Donc forcément, la team est loin d'être inconnue pour moi. Donc c'est toujours sympa de travailler avec des gens qu'on apprécie. Donc ça, c'est tout des gros bonus qui m'ont motivé. Et puis forcément, parler avec eux, et Florian Poirson, bien sûr, qui était avec eux depuis de plusieurs années et qui sont très heureux. Donc ça m'a tous des éléments qui m'ont vraiment poussé à les rejoindre. Et puis, une fois que j'ai signé en août, bah, tout s'est très très bien passé. En plus, ils sont venus à l'Olympia me soutenir, m'aider à créer du contenu. Enfin, vous avez pu voir un peu, les vidéos étaient un peu différentes. J'ai eu d'autres choses qui étaient vraiment, vraiment chouettes. Et puis, juste après l'Olympia, du coup, ils m'ont invité à venir en Pologne. Donc, j'avais fait la compétition en Italie. Puis, juste après ça, j'étais allé en Pologne, comme je vous avais montré un peu dans mon vlog. Pendant 4 jours dans leur quartier généraux à Jichów. Et là, j'ai visité tous les laboratoires. D'ailleurs, j'ai la vidéo qui arrive très très bientôt
Le problème, c'est que j'ai filmé avec une caméra pour une fois, pas avec un téléphone, et du coup, je peux pas l'éditer sur mon téléphone, c'est des fichiers qui sont trop gros. Donc j'attends là d'avoir mon ordinateur, j'espère avoir ça d'ici 2 semaines et pouvoir vous l'uploader d'ici la fin du mois. Mais bon, ça, on verra. De toute façon, j'ai d'autres vidéos encore à vous partager, donc vous inquiétez pas, il y a deux choses qui arrivent entre-temps. Mais ça, c'est une vidéo que j'ai vraiment hâte de vous montrer, parce que c'était vraiment impressionnant. Tous les tests de qualité qui sont créés, vraiment, c'est vraiment la priorité numéro 1 chez Olympe, c'est la qualité. Et ils me l'ont montré vraiment, enfin, depuis l'arrivée des matières premières. Donc, quand ils reçoivent un produit, quel qu'il soit, et peu importe ce qui est marqué sur sur les étiquettes, etc., ils contrôlent, ils testent que ce soit bien ce qui est annoncé, ils testent pour toute trace d'impureté, pour éliminer ces impuretés-là s'il y en a. Ils s'assurent qu'il n'y a aucun produit toxique, aucun. Enfin, voilà, tout, enfin, que tout soit vraiment extrêmement pur et de qualité irréprochable. Et ces tests-là sont vraiment reproduits. Vous verrez vraiment plus dans cette vidéo-là parce qu'ils m'ont fait un tour, ils m'ont tout expliqué. Et je traduisais un peu en temps réel ce qu'ils m'expliquaient. Donc, mais c'est un contrôle systématique tout au long de la production. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant. C'est un gros gros laboratoire. Ils investissent énormément d'argent justement pour être au top au niveau de leur équipement et au niveau de la recherche et le développement des produits. Ils ont même d'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo et c'est une chose que Sean m'avait mentionné, c'est un estomac, une réplique d'estomac humain. Et je crois qu'il m'avait dit, je l'ai noté dans la vidéo, mais il y en a très très peu dans le monde, je crois une dizaine même pas. Donc c'est une des seules compagnies de suppléments en tout cas qui utilise ça dans leur test. Et ça permet de voir comment les produits sont absorbés sur le long terme, comment les combiner pour que ce soit le mieux absorbé par l'estomac. Et c'est comme ça justement par exemple qu'ils sont arrivés à faire leur formule de créatine que j'ai pas encore essayé, mais je me réjouis de faire ça très prochainement. D'ailleurs, la créatine explose. Et c'est en mélangeant ces différentes sortes de créatine qu'ils ont pu voir que c'était la manière dont l'estomac pouvait absorber cette créatine au mieux pour qu'elle soit disponible et donc utilisable pour créer l'ATP, donc l'énergie explosive. Enfin, c'est ce même procédé qu'ils ont utilisé pour, enfin, qu'ils utilisent pour la plupart la grande majorité de leurs produits pour s'assurer que ce soit absorbé au mieux, puisque forcément, on peut créer le meilleur produit sur l'étiquette. Si l'estomac l'absorbe pas comme il faut, bah, il se passe rien. Donc, c'est encore une chose qui m'avait vraiment séduite et que j'ai trouvé très très intéressante. Forcément, ça a du sens et ça devrait être logique que tout le monde cherche à maximiser l'absorption. Mais qu'ils aient vraiment cet élément-là dans leur laboratoire, ça montre vraiment à quel point ils sont sérieux parce que c'est un élément qui est assez, très coûteux à obtenir, forcément, comme c'est rare. Et voilà. Donc, voilà un peu le pourquoi du comment, pourquoi j'ai décidé de rejoindre. La team et les événements qui ont fait qu'on s'est séparé avec Eric Favre. Voilà, il n'y a aucun. Comment on dit? Il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Je m'entends bien. J'espère voir Eric bientôt. Parce que normalement, on sera au salon avec Olympe à Paris, donc au salon Body Fitness. Pour ceux qui m'ont demandé, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages. Donc sachez qu'on est censé être présent. Et j'espère qu'Eric sera là-bas, j'espère pouvoir le voir et puis prendre ses nouvelles en personne. Voilà. Puis j'espère voir d'autres personnes de la team, forcément. Mais voilà, donc c'est un peu le tout de comment tout s'est passé et pourquoi j'ai rejoint Olympe. Et je suis très, très heureux et content avec eux et très content d'avoir. Malheureusement, les événements qui ont mené à cette association étaient malheureux. Voilà, j'ai eu de la chance de trouver déjà une très bonne compagnie parce que pour moi, c'est vraiment extrêmement important à mon niveau de travailler avec une compagnie qui est sérieuse et qui a qui soucie de la qualité de manière prioritaire. Voilà, je me sens responsable en tant qu'athlète professionnel en plus. Et en plus, en ayant pas mal de gens comme vous qui me suivez, et qui écoutent mes conseils, etc., de pouvoir m'associer avec des compagnies vraiment qui ont toujours un certain standard de qualité supérieur que juste vraiment une qualité supérieure, voilà. Et surtout, voilà, étant professionnel, il faut que ça puisse vraiment pousser à la performance. Et c'est vraiment ce que je recherche. Donc, il faut quelque chose qui soit plus que du bas de gamme pour les gens entre guillemets, tous les jours. Donc c'est pour ça que je suis très content avec eux
Et forcément, ce qu'ils cherchent, c'est l'élite aussi, c'est la compétition. Ils investissent dans pas mal de sports, même les sports dans la, comment on appelle ça, les courses de voitures, etc. Enfin, ça a rien à voir avec les suppléments, entre guillemets, mais c'est toujours la performance. Donc, c'est ce souci-là de recherche de la performance qui m'intéresse forcément. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des valeurs, à mon avis, qui sont extrêmement bien alignés, et je suis très content d'être avec eux et de continuer à travailler avec eux, j'espère, pour longtemps. Parce que j'ai jamais essayé de passer une compagnie à l'autre. Malheureusement, les aléas de la vie ont fait autrement. J'ai dû passer par différentes compagnies. Voilà. J'ai toujours eu ce souci-là de travailler avec des compagnies sérieuses. Après, voilà, il faut aussi faire confiance aux gens qu'on rencontre et ce qu'ils nous disent, etc. Parce qu'on ne peut pas tout savoir forcément en tant qu'athlète. C'est difficile de tout savoir vraiment ce qui se passe au niveau des compagnies. Donc il y a une certaine part de confiance, et après c'est une part de jugement personnel et d'expérience qui permet de vraiment faire cette appréciation. Mais c'est avec grande confiance que je peux vous recommander à tous Olympe. Voilà, je sais que pas mal de gens m'ont demandé aussi un peu ce que je prends actuellement. Donc vraiment, je suis loin d'avoir essayé tous les produits, très très loin, mais actuellement, simplement, je prends tous les matins quand je me réveille, je prends de l'ashwagandha et des acides aminés essentiels, EAA. Ça, c'est quand je me réveille, première chose que je fais quand je me réveille. Ensuite, je prends mon petit déjeuner avec ça, j'ai mes vitamines et antioxydants gold. Je prends la glucosamine et chondroïtine, oméga 3 gold. Après ça, pour l'entraînement, avant l'entraînement, je prends une scoop de BCA, une scoop d'acides aminés essentiels, une scoop de Pump Express. Actuellement, je prends du Carbonox aussi. Là, ça varie les quantités selon les jours. Je commence à boire du Carbonox pendant le pré-entraînement, et je continue à boire pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, je prends une scoop de BCA, une scoop d'acide aminé essentiel ensemble. Si je finis de boire ça, je refais le même mix. Quand j'ai fini, je prends deux scoops d'acide aminé essentiel. Et là, comme je voyageais pas mal récemment, j'utilisais beaucoup de Whey Isolat. En post-workout, pardon. Toujours, bien sûr, mon repas, j'essaie de l'avoir dans l'heure qui suit. Mais bon, quand t'es en déplacement, en voyage, etc., c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus reposé sur les shakes de protéines, etc. Idéalement, donc vraiment un repas solide dans l'heure. La whey protein Isola, c'est toujours excellent, de toute façon, parce que ça absorbe très rapidement. Mais priorité à la nourriture solide, toujours. Ensuite, donc avec mes autres repas, je continue à prendre, je reprends des vitamines, je reprends, comment on appelle ça, le Omega Gold. Et puis plus tard dans la journée, avant de me coucher, je prends le ZMA, 3 capsules. Actuellement, c'est à peu près tout. En sèche, je prends beaucoup de glutamine aussi, pour garder un peu plus de fullness dans les muscles. Donc protéger un peu mieux la masse musculaire pour qu'elle soit moins susceptible au catabolisme. Voilà, donc gros, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Donc comme je vous ai expliqué avant, je me réjouis vraiment d'essayer le Creatine Explode là rapidement sur ma prochaine commande, ce sera dans la liste. Et puis voilà, donc c'est un peu tout pour l'instant. Et voilà, cette vidéo que je vous avais promis, maintenant je vais vous proposer très prochainement. Donc j'ai d'autres vidéos à partager avec vous, mais je vais aussi bien sûr parler de Psycho et Char Glass, un peu la différence entre leurs entraînements, mon ressenti. Voilà, je ne vais pas commencer à en parler maintenant, mais je vous dirai ça très prochainement. Sachez aussi que voilà, j'ai d'autres vidéos qui arrivent entre-temps, donc je vais caler une ou deux vidéos d'entraînement entre-temps, puis après avoir une autre vidéo justement où je parle comme ça, où je vous explique un peu la différence entre ces deux entraîneurs avec qui j'ai travaillé et que j'apprécie tous deux énormément, et qui ont d'ailleurs travaillé ensemble. Donc je reviendrai par rapport à... Je vous expliquerai tout ça. Et en attendant, voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Rappelez-vous que ce week-end, c'est donc pour mon anniversaire, Olympe vous offre un gros discount. Vous verrez ça. Mettez cet animal dans le code discount et profitez. Faites le plein. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, tous les retours que j'ai eu dans les commentaires, tous les gens qui ont commandé pour l'instant, j'ai toujours eu que des excellents retours. Les gens ont apprécié les produits et les goûts, etc. Donc j'ai eu que des excellents retours. Voilà, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Je vais refaire des Q&A. Si vous avez des questions, j'essaie de créer une liste. Comme ça, je pourrais faire une autre vidéo aussi où je réponds juste à vos questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end à tous. Rappelez-vous de profiter du discount, et je vous retrouve
À très très bientôt. Ciao, ciao. Boum.